Donc comme je vous disais, la famille, c'est une espèce de purge que je suis en train de faire parce qu'il est absolument hors de question que je perde d'une manière ou d'une autre mon authenticité. Je ne peux plus continuer à m'entourer de gens mauvais qui se servent de moi d'une manière ou d'une autre. Alors je les laisse servir de moi parce que je le veux bien, tu vois ce que je veux dire, mais dans ma vie j'ai dealé, j'ai traité avec des gens. On parle pas des cacas des réseaux sociaux, que voilà, je peux pas, enfin c'est même limite aujourd'hui, c'est même pas du, avant je le tolérais, maintenant c'est du dégoût. Je sais qui sont les vraies personnes, réseaux sociaux et hors réseaux sociaux, qui sont proches de moi, et c'est des gens qui iront, avec lesquels je le souhaite, on ira au bout du monde. Mais j'ai, comme je vous l'ai dit, décidé de faire en sorte de ne plus m'attarder, et surtout de ne plus perdre de temps, en fait. De ne plus perdre de temps avec des gens qui, finalement, ne me tireront jamais vers le haut, d'ailleurs, seront les premiers à me tourner le dos, ou bien même à encore plus enfoncer le clou si un jour, que Dieu nous préserve, il y a un problème. J'ai pas besoin de gens comme ça. Moi j'ai une famille, j'ai des frères, enfin j'ai un frère sur lequel je peux compter, j'ai des membres de ma famille qui ne sont pas ma famille de sang, dont certains d'entre vous se reconnaîtront, qui feront partie, c'est des gens qui iront loin avec moi, avec lesquels j'irai loin avec eux, des femmes, des hommes, hein, tout confondu. Et je pense que l'ingrédient pour réussir, c'est vraiment d'avoir foi en sa communauté et d'avoir foi en les gens qui nous entourent. S'il y a quelque chose qui ne va pas comme ça, ça ne pourra jamais aller finalement, tu vois.